On essaie de bénéficier pour vendre plus de café. À qui? À des clients qui vont venir là. Voilà, la multinationale. D'accord. Donc il y a des intermédiaires qui vont venir et on va négocier avec eux. D'accord. Et pourquoi c'est écrit Max Avelard? Parce que c'est lui qui l'a créé, par contre, le jeu. À un moment donné, s'il vous dit, moi j'ai besoin de savoir combien il faut que je vende mes 100 livres, à quel prix, donc je vais diviser 330 par 600, mais 600 livres, je les vends, et là ça fait minimum, le prix minimum c'est 50 euros. J'ai pas signé. Putain, on aurait dû faire signer. un dollar le livre, ouais, là, on signe tout de suite. 100 livres. $200. Non. Toi, t'as craqué. 35. Ça vient à plus d'un euro la graine. 35. Vous avez fait un combien? 165. 165 et 500. Vas-y, répète, tu veux qu'on vende à combien les 500? 165. Allez, ça marche. Ah. Entre vous, vous gardiez pour vous, si vous spéculez ou si vous faites un choix social de scolariser des enfants. Voilà. Il se cache au néophyte. Pour le découvrir, il faut pénétrer sous le couvert de la forêt primaire. Car le café est de culture récente. Il a été implanté dans la région il y a moins de 30 ans par une poignée d'hommes. Lorenzo était de cela. Ces dernières années, on nous a forcé à réduire la production et maintenant c'est fini. Il n'y a plus de coca. Au début, on n'y pensait même pas, mais maintenant on s'est rendu compte qu'il faut changer. Et nous sommes très surpris par le dynamisme économique généré ici par le café. Il semblerait que la décision ce soit une coopérative. Donc je vous présente, je vous demande pour 100 livres, $40. Next. Ça marche.